contre l'impunité et contre les violations des droits humains au sein des forces de police, au centre des procédures ouvertes devant le tribunal militaire. Le commissaire du gouvernement, Ange Kessy, en dresse un bilan dans cette édition. À 24 heures du démarrage des épreuves écrites du CEPE 2014, les élèves, parents d'élèves et enseignants sont en effervescence. L'heure est aux dernières mises au point. Nos équipes de reportage ont sillonné plusieurs communes pour en faire le constat. En Égypte, les élections présidentielles ouvertes aujourd'hui s'annoncent sans suspense. L'ancien chef de l'armée Abdel Fattah al-Sissi est presque assuré de remporter le scrutin. Il dirige déjà le gouvernement intérimaire. Bienvenue dans ce nouveau journal sur RTI1. Bonjour et merci d'être avec nous. Quelle gouvernance pour une administration publique performante? La question réunit ce matin à Yam Sokro, les acteurs et experts du système administratif ivoirien. Il s'agit pour le ministère de la fonction publique et de la réforme administrative d'élaborer des manuels de procédure, d'identification des missions, des directions régionales et des actes nécessaires à la gestion des ressources humaines de l'État. À Ouagadougou, pour la réunion préparatoire du 4e sommet sur le traité d'amitié et de coopération entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso, le Premier ministre ivoirien s'est rendu compte des atouts du Burkina Faso en matière d'électricité, de formation, d'emploi et de santé. Léon Brou, envoyé spécial dans la capitale burkinabé. Centre de formation professionnelle de Zignaré, région natale du président du Faso, Blaise Compaoré. Le Premier ministre ivoirien Daniel Kablan-Duncan visite les 14 unités de ce premier centre de référence en matière de formation des formateurs, travailleurs et jeunes en quête d'emploi. Idem à l'hôpital national Blaise Compaoré, également premier établissement sanitaire de référence du Burkina Faso. Il comprend toutes les unités de soins avec des équipements à la pointe de la technologie, 544 lits et 597 agents. L'instigateur de ces visites, le premier ministre burkinabé, invite son homologue ivoirien à constater le potentiel de son pays pour envisager l'extension de leur coopération. Sur le plan donc de la santé, la Côte d'Ivoire a nettement plus de possibilités, plus de spécialistes que le Burkina Faso. On a cet hôpital qui peut permettre effectivement d'assurer, prendre en charge un certain nombre de pathologies. Et je pense qu'avec nos amis ivoiriens, nous allons voir comment renforcer cet axe de la coopération. Il se trouve, comme vous le savez, que nous avons à Abidjan un institut de la cardiologie qui a été mis en place depuis les années 80 et où on opère presque à corps ouvert dans la sous-région Abidjan. Peut-être là aussi, nous pouvons faire avoir une coopération dans ce domaine. À Saaba, commune rurale au nord de Ouagadougou, le Premier ministre burkinabé conduit son hôte ivoirien au Salon des métiers. Ouverture de ce salon, visite des stands pour apprécier les offres et demandes de qualification. Puis les deux chefs de gouvernement mettent le cap sur Komsilga, à 20 km au sud de Ouagadougou. Ici, Adolphe Tiao fait découvrir à Daniel Kablan-Duncan la dernière et plus importante centrale électrique du Faso. D'une capacité de 90 MW, cette centrale produit 40% de l'électricité du Burkina Faso à partir de l'énergie fournie par la Côte d'Ivoire. Campagne pour promouvoir la première convention d'affaires Afrique-Monde 2020. Elle s'est ouverte le 23 mai dernier. C'est en même temps une rencontre préparatoire du premier forum régional sur l'accréditation et la compétitivité en Afrique. Bertin Guessant, Francis Boifo. Le premier forum économique régional sur l'accréditation et la compétitivité FRAC est prévu du 5 au 10 octobre 2014 à Abidjan. Plus de 600 experts et chefs d'entreprise en provenance de 24 pays d'Afrique sont attendus à ce forum. Alors le FRAC, le souci principal, c'est de voir comment favoriser l'exportation de nos produits et services dans les pays régionaux et au niveau international. Et nous savons qu'aujourd'hui, en dehors des barrières tarifaires, il existe des barrières dites non tarifaires et qui conditionnent l'entrée des produits par des normes. Et pour cela, il est important d'abord que nos entreprises en prennent conscience et s'inscrivent de façon logique dans la recherche de la qualité, de manière à répondre aux exigences. Comment favoriser l'exportation des produits africains sans trop de contraintes? C'est la principale question à laquelle devra répondre le forum. L'amélioration de l'environnement des affaires, la maîtrise des délais dans l'exécution des tâches en entreprise feront l'objet des travaux en atelier.
Le défilé du 42e anniversaire de l'indépendance du Cameroun a vu la participation d'une délégation des forces républicaines de Côte d'Ivoire. Les deux pays sont ainsi fidèles à leur objectif de renforcement de la coopération. Abou Sanogo. C'est une délégation forte de 167 membres, avec à sa tête le chef d'état-major général des forces républicaines de Côte d'Ivoire, le général de corps d'armée Soumaïla Bakayoko, qui a répondu à l'invitation de l'État camerounais à l'occasion de la cérémonie du 42e anniversaire de l'indépendance de ce pays. La cérémonie proprement dite a débuté par un carrousel à pied, exécuté par la musique de la police nationale. On défilait successivement devant la tribune officielle. Pour le défilé à pied, le général de division Salim Mouhamadou, commandant des troupes, le colonel Bella Anne Nkoto, le détachement des forces républicaines de Côte d'Ivoire, l'école interarmée, pour le défilé motorisé, la garde présidentielle, les locomotives de l'état-major des forces terrestres, le bataillon d'intervention rapide. L'attraction du jour était sans conteste les troupes ivoiriennes qui défilaient pour la première fois devant le peuple camerounais. Avec à sa tête le chef du bataillon Yakéchal, chef de corps du bataillon blindé. Le détachement ivoirien avait fière allure. Béret bleu, treillis force républicaine de Côte d'Ivoire, petit motif. Gants blancs, brodequin de marche noire, a ouvert le bal en tant qu'invité de marque de son excellence M. Paul Biya. Ainsi, c'est dans une clameur que ce détachement composé de deux sections d'infanterie et d'une section du bataillon blindé a franchi les paliers sous le regard de Paul Biya et du général de corps d'armée Soumaïla Bakayoko. Retour en Côte d'Ivoire où le commissaire du gouvernement fait le bilan des procédures ouvertes devant le tribunal militaire. Elles portent essentiellement sur la lutte contre l'impunité et contre les violations des droits humains au sein des forces de police. C'est un reportage signé Huguer Véblé. Tolérance zéro contre le racket. Dans le cadre de la mise en pratique de cet engagement, le tribunal militaire d'Abidjan a 81 dossiers. Il concerne 144 militaires, gendarmes ou policiers. 35 sont jugés et condamnés, 15 en instance de jugement et 96 font l'objet d'enquêtes. Également évoqué à cette rencontre avec la presse, l'audition des témoins des événements d'Abobo. On entend les témoins. Mais il faut faire la part des choses. En même temps que nous voulons les témoins, on ne veut pas indéfiniment prolonger la procédure. Donc maintenant, nous allons donner 15 jours maximum, ce qui va étendre l'audition des témoins jusqu'au 10 juin. Et après ça, nous clôturons pour penser à la phase de préparation du dossier. Nous avons préparé le procès en juillet. On aura fini de préparer, n'est-ce pas, ce dossier-là. La lutte contre l'impunité dans les rangs des policiers, gendarmes et militaires et les crimes commis par certains parmi eux, les affaires criminelles ici concernent aussi bien les tueries de FRC par leurs collègues courant 2013 que les tueries de civils par des FRC, comme en septembre 2014 à Abidjan, précisément à Atekoubé. Les crimes et autres violations des droits de l'homme, note le commissaire du gouvernement, seront sévèrement réprimés. Ange Kessi Kwame le souligne à ce jour. 128 membres des FRC sont poursuivis par le tribunal militaire. Parmi eux, les assassins du commissaire de police de Sikensi. Leur procès s'ouvrira au mois de juillet. 3 mois, c'est le temps dont disposent les victimes et témoins des événements de la crise post-électorale pour parler, expliquer leurs souffrances afin d'être pris en compte par la commission Dialogue, Vérité et Réconciliation. Des centres d'écoute ont été ouverts dans 11 localités du pays. Thérèse Yoboué. C'est une phase jugée importante dans la délicate mission de la commission Dialogue, Vérité et Réconciliation. Les auditions et les enquêtes sur les graves dérives vont enfin permettre aux victimes de la région du Tonkpi de s'exprimer. Tous les cas d'atrocité, de crimes et les graves violations des droits humains allant de 90 à 2011 dans la région pourront être dénoncés. Pour les populations, c'est un soulagement. Vraiment, je remercie le président de la République qui nous a donné cette opportunité de parler aujourd'hui. Vraiment, c'est ce qu'on attendait le plus. Enfin, les familles de nos camarades qui sont tombés au front pourront s'exprimer. La phase d'audition et d'enquête dans le Tonkpi va durer 3 mois. Sont concernées toutes les personnes victimes de façon directe ou indirecte des dommages. 11 centres d'écoute sont ouverts dans l'ensemble des départements de la région pour accueillir les éventuels sachants. Nous attendons effectivement tous les habitants de cette région de l'Ouest pour venir dire chacun et tous leur part de vérité, ce qu'ils ont vécu, ce qu'ils ont entendu, ce qu'ils ont subi pour que la réconciliation soit effectivement une réalité, une vérité pour une Côte d'Ivoire nouvelle. Deux coordonnateurs de la CDVR venus d'Abidjan
vont superviser cette phase d'audition dans le temps qui. Un exercice qui devra permettre, à terme, de panser les graves plaies laissées par les crises successives dans l'ouest de la Côte d'Ivoire. À Mans, les producteurs de café cacao s'engagent à se faire recenser. Ils font ainsi la promotion de l'opération de recensement général de la population et de l'habitat lancée par le gouvernement. Ils disent avoir compris que c'est au bénéfice du développement de leur localité. Herman Niamia. Le président de l'Union interrégionale des producteurs de café et cacao, Doua Blondé Obed, en tournée à Gbangbe-Guinée, Podja-Guinée, Sanguinée et Mans. Objectif: sensibiliser les producteurs de café et cacao, autochtones et halogènes, sur l'importance du recensement général de la population et de l'habitat. Mais avant de se rendre dans ces localités, Doua Blondé Obed a sollicité la chefferie traditionnelle et les veuves de l'église UNESCO de Mans. À nos moments réunis ici, qu'elles soient des ambassadrices auprès de nos parents dans les quartiers, que tout le monde accepte de se recenser. Parce que si c'était même une fête qu'on organise aujourd'hui, on allait quand même faire des provisions. On reçoit combien de personnes? Donc quand le gouvernement nous demande de nous faire recenser, c'est juste pour pouvoir orienter des actions de développement vers nous. À ce niveau, il n'y a pas de raison qu'on dise que je ne me fais pas recenser. Bilan de la course, un engagement ferme de la population à se faire recenser et à soutenir les actions de développement pour lesquelles le recensement général de la population et de l'habitat est en cours. Le programme qu'a initié le gouvernement, qui consiste à identifier toute la population de Côte d'Ivoire, est un programme noble que nous saluons. Le président régional des producteurs de café et cacao a promis poursuivre cette mission jusqu'à ce que le dernier producteur agricole de la région soit recensé. Retour sur la journée d'hier qui a vu la célébration de la fête des mères. La ville de Boaké, dans le centre de la Côte d'Ivoire, a rendu un hommage appuyé à toutes les mamans à cette occasion. Elles ont reçu de nombreux présents lors de cérémonies éclatées dans la ville. Reportage RTI Boaké. L'association des femmes du ministère de la Justice exerçant à Boaké n'a pas voulu rester en marge de la célébration de la fête des mères. Elle a honoré les mamans du tribunal de première instance de Boaké par des dons de complets de pagne et de plusieurs autres cadeaux. Pour la présidente de l'AFEMJB, cette première célébration donne l'occasion aux femmes des différents services du ministère de la Justice implantés à Boaké de faire connaître leur structure associative. La célébration marque l'attachement de cette association à la mère, cheville ouvrière de la famille dont le rôle est important dans le développement d'une nation. À travers ce mouvement associatif, les femmes veulent à leur niveau apporter leur contribution aux actions de développement dont la visée est l'émergence de la Côte d'Ivoire à l'horizon 2020. Au nombre de 210, ces femmes de toutes les couches socio-économiques issues des 22 villages et des 11 quartiers de la commune de Botro ont été honorées à l'occasion de la fête des mères. Heureuses, ces femmes sont ainsi réparties chez elles avec des kits composés de savon, riz et bassines. C'est un don de la mairie de Botro et de ses partenaires à plus d'un million de francs CFA. Cette première édition de la fête des mères à Botro est une initiative de Yao Nzué Célestin Copresse, maire de cette commune. Cette célébration a bénéficié de l'appui des autorités administratives, politiques et des membres du club de la musique cubaine CMC Kojo Jambilé. Un repas pour consolider la cohésion sociale entre ces femmes de différentes associations a ponctué cette célébration de la mère dans la cité du peuple Satiklan, Botro. 168. C'est le nombre de complets de pagne qu'a offert le premier magistrat de la commune de Boaké, Djibo Nicolas, au moment de sa circonscription à l'occasion de la célébration de la fête des mères. Pour le maire Djibo, cet acte marque son soutien à ces femmes pour leur abnégation au travail et pour toutes les souffrances qu'elles endurent dans leur vie de tous les jours. Plusieurs autorités et femmes des différents quartiers de la commune ont répondu présentes à cette célébration. Une célébration qui s'est déroulée dans une communion fraternelle. Des mères et jeunes filles mères en détresse ont été célébrées elles aussi, cette fois dans la commune de Marcory, c'est dans le district d'Abidjan. Elles ont reçu des denrées alimentaires et des produits cosmétiques. Centre de santé communautaire de Marcory à Noumambo. Des femmes heureuses, une trentaine de mères est invitée par le Bon Samaritain. Pour cette fête des mères, l'ONG Manoussa, à travers la fondation Izazi Hassan, a offert à ces femmes des produits alimentaires et cosmétiques.
Pour les initiatrices de cette cérémonie, la fête des mères est l'occasion de fêter toutes les femmes, même celles qui n'ont pas d'enfants. C'est pour aider nos jeunes filles en détresse, qui n'ont pas de mari, qui elles sont délaissées. Que c'est pour cela que nous voulons organiser notre ONG. Aujourd'hui aussi, c'est la fête des mères. À chaque fois, c'est les mamans, on les honore. Mais aujourd'hui, dans mon ONG, j'ai pensé aux filles mères. La fête des mères pour toutes les femmes. Ces mamans qui viennent d'être nouvellement maman ou deuxième fois maman, ou qui sont quelque part sans aide, sans mari derrière, ou avec des maris. J'ai eu une très bonne impression de cet hôpital-là. Je vois un côté humain, des sages-femmes, des infirmières, du personnel hospitalier, de ces personnes qui se sont penchées sur la question, sur cet hôpital-là. Par cet acte de bienfaisance, l'ONG Manoussa, qui s'efforce de lutter contre la pauvreté, veut mettre un grain de baume dans le cœur de ses filles mères et les encourager à se battre dans la vie. Une journée nationale de prière pour l'école ivoirienne a été organisée par le ministère de l'Éducation nationale et de l'Enseignement technique. La plateforme des confessions religieuses a apporté son appui à cette initiative. L'objectif est de solliciter les faveurs de Dieu pour le bon déroulement des examens de fin d'année. Ami Sissoko, Mamadou Kouassi. La quatrième édition de la journée nationale de prière au profit de l'école ivoirienne se poursuit avec la confession chrétienne. Après la communauté musulmane qui a prié le vendredi dernier autour du thème « Ensemble luttons contre la fraude aux examens scolaires ». Cette journée est organisée par le ministère de l'Éducation nationale et de l'Enseignement technique en partenariat avec les confessions religieuses. L'école ivoirienne, depuis quelques années, se déroule dans la paix et les résultats de plus en plus sont en train de devenir meilleurs. Donc il faut rendre grâce au Seigneur. Et puis ensuite, il faut élever sa voix vers le Seigneur afin que tous nos enfants qui vont présenter les examens du CEP entrer en 6e, du BEPC, ceux qui vont présenter le bac, aient cet appui du Seigneur, que l'Esprit Saint soit sur eux, afin que, dans la grâce du Seigneur, ils puissent être admis à leurs examens. La journée nationale de prière au profit de l'école ivoirienne est une occasion pour faire la promotion des valeurs sociales et morales, et surtout de rendre grâce au Seigneur en lui demandant son assistance, afin que les examens de fin d'année qui démarrent le mardi prochain avec le CEP se déroulent dans un climat apaisé. Et demain donc, les épreuves écrites du CEP 2014 démarrent. Les élèves, parents d'élèves et enseignants mettent les derniers points sur les i. À moins de 24 heures de la composition, c'est l'effervescence. Franck Wadio. Une salle de classe dans une école dans la commune de Yopougon, des élèves concentrés. Ce sont des candidats à l'examen du CEPE, porte d'entrée à la classe de 6e. Je les fais venir pour les entraîner, puisque l'examen, c'est dans quelques jours. Donc, ceux qui sont motivés, ils viennent. Ceux qui ne sont pas motivés, bon, ils restent à la maison. Les explications de l'enseignant, les dernières de l'année scolaire, sont pratiquement bues. Les révisions en classe, les élèves l'ont en plus-value. Chacun a sa propre stratégie. À la maison, j'ai fait des exercices, j'apprends mes leçons avec mon maître de maison. Le maître de maison ou encore le répétiteur. Marie est étudiante et donne des cours à domicile. On va faire des exercices avec celui-là. T'as dit, je prends quoi? Mon madame. Oui, oui. 0,0. Elle est dans 0,0. Et actuellement, je suis en préparation des examens avec mes enfants. J'essaie de combler un peu les lacunes qu'ils ont eues. Le CEPE, l'épreuve écrite, c'est dans quelques jours. Quelques conseils pour aborder la dernière ligne droite. Quand vous êtes devant la feuille, ne pensez pas à l'examen, faites comme si vous étiez à la maison. Tu connais et tu as le choix. Quand tu prends ton temps, tu calcules bien, tu fais comme si tu étais à la maison et ça passe. Je dirais aux enfants de rester concentrés, car il s'agit simplement d'une composition, d'un devoir. Il ne sera pas nécessaire de se précipiter et de sortir avant la fin des épreuves. La dernière ligne droite, l'épreuve écrite, aura lieu le mardi 27 mai prochain.
Matériel didactique inexistant, infrastructures vieillissantes et inadaptées. Bref, le lycée moderne d'Agnibilécro manque de tout. Et pourtant, il a été classé deuxième établissement d'excellence au cours de l'année scolaire précédente. Et il est en bonne voie pour remettre le couvert cette année. Mamadou Kouassi s'y est rendu. Les images. Des élèves en classe de 3e assis à 3, voire 4 par table pour suivre des cours. Nous sommes au lycée moderne d'Agnibilécro, à l'est de la Côte d'Ivoire. Ici, les effectifs varient entre 80 et 100 élèves par classe, de la 6e à la terminale, pour un établissement classé 3e lycée de l'excellence au cours de l'année scolaire 2012-2013. Le nombre de 82, il n'y a pas assez de place de bancs dans ces salles. C'est pourquoi nous sommes assis à 3. Et parfois, il y a des professeurs qui viennent, quand on est assis à 3, ils ne veulent pas faire cours avec nous. Les matins, comme ça, quand nous venons, ils ont pris nos tables. Nous sommes obligés de nous asseoir 3-3, donc ça fait que nous sommes serrés, on n'arrive pas bien à écrire. En anglais, il y a ce qu'on appelle le travail de groupe. Il faut beaucoup travailler en groupe. Mais avec cette disposition, ça rend un peu la tâche un peu compliquée. Donc on n'arrive pas à véritablement faire ce qu'on demande de faire. Donc eux-mêmes, là-même, ça ne les arrange pas trop. Parce que travailler à trois, vraiment, c'est un peu gênant sur le même banc. Depuis son ouverture en 1977, l'école n'a pu bénéficier que de 4 nouvelles salles de classe. Et les 4297 élèves inscrits au cours de cette année scolaire ont été répartis dans les 44 salles de classe que compte le lycée. La double vacation instituée comme solution est jugée inappropriée pour régler le problème d'effectifs pléthoriques. Le professeur n'arrive même pas à circuler dans la salle de classe. Donc nous lançons un appel. Nous avons incessamment besoin de salles de classe. Incessamment besoin de salles de classe et dans l'immédiat des tables bancs. Ce lycée du département, les responsables veulent en faire un lycée de l'excellence à l'image du lycée Sainte-Marie de Cocody et du lycée scientifique de Yamoussoukro. Mais déjà, les plus jeunes plaident pour l'équipement de leur établissement en matériel didactique. Je dis au président de la République qui dit aux menuisiers de fabriquer des tables pour envoyer dans les classes. Les élèves souhaitent également, en plus de la construction de l'équipement, de nouvelles salles de classe, la construction d'un préau pour les séances de révision avant les cours. Quand il pleut, nous allons nous abriter sous les toits du marché pour ne pas que nos affaires se mouillent. Je me dis, à l'état de la Côte d'Ivoire, il ne faut pas qu'il nous oublie, voilà, de penser aussi à nous. L'autre plaie de cet établissement, ouvert comme collège d'enseignement général en 1977, puis érigé en lycée moderne en 1991, c'est bien la grossesse en milieu scolaire. Une quarantaine de cas ont été enregistrés au cours de cette année. Pour les jeunes filles, ou c'est l'abandon, ou c'est les grossesses, parce qu'elles n'ont pas à manger. Elles n'ont pas le minimum vital. Et elles tendent la main. Et celui qui donne à manger à une jeune fille, un adulte qui donne à manger à une jeune fille, figurez-vous qu'elle va payer ça. Malgré cette situation, les résultats pour cette année sont jugés satisfaisants selon les responsables du lycée et le corps enseignant. Mais ils pourraient être améliorés si les conditions de travail étaient reluisantes, disent-ils. Samatigila, bientôt en chantier, cette commune située à 45 km au nord-est d'Odiéné va voir la construction de plusieurs infrastructures de base, notamment un commissariat et un marché. Le maire entend ainsi amorcer le développement de la commune. Honorine Anigori. La ville de Samatigila, à 45 km du département d'Odiéné, n'a ni commissariat ni marché et ne compte qu'un seul collège en ruine. C'est pour donner fière allure à la commune que le conseil municipal dirigé par Lassine Diaby, maire de Samatigila, a annoncé la réalisation de plusieurs projets de construction pour une enveloppe de plus de 600 millions de francs CFA. Ce sont un marché, un hôtel de ville pour abriter les services de la municipalité, un commissariat assorti d'une cité policière et l'équipement en matériel didactique du collège municipal qui sont prévus pour construction. C'est au cours d'une rencontre avec le conseil municipal que le maire Lassine Diaby a informé qu'il a obtenu des financements pour la réalisation de ces infrastructures sociales. Le maire a profité de cette occasion pour visiter le chantier de construction du pont reliant Samatigila à la sous-préfecture de Kimbirila Sud, financé par le programme présidentiel d'urgence.
Sortie samedi dernier de la toute première promotion d'imams diplômés en études supérieures d'Imama. Ils ont été formés par l'Institut international d'Imama en Afrique. Serge Gangoma, Abou Sanogo. Au nombre de 17, ces imams ont reçu leur diplôme de fin de formation d'études supérieures en Imama. Des diplômes qui sanctionnent 4 années de formation en développement de leadership et de stratégie de communication en communauté. On avait une connaissance générale. Mais aujourd'hui, on a reçu une formation qui est axée sur l'imama, sur même la direction de la communauté. Nous savons maintenant comment communiquer avec nos fidèles. Sur le plan aussi de la théologie islamique, on est prêt aujourd'hui à répondre à toutes les questions que vont nous poser donc nos fidèles. Pour le docteur Arna Konaté, directeur de cette première école en Côte d'Ivoire, nombreux sont les défis à relever pour la formation des leaders à la fois intègres et rassembleurs. Au nombre de ces défis, la scolarisation des imams étudiants. Comme toute structure de formation, 3IA connaît quelques difficultés liées pour l'essentiel à des scolarités non soldées. La majorité de nos étudiants qui sont sans ressources financières suffisantes parvient difficilement à achever leur cursus par manque de moyens. Des sketchs exécutés par les étudiants qui invitent les imams de Côte d'Ivoire à mettre fin aux querelles d'intérêts personnels dans les mosquées. Placé sous le parrainage de INC, directeur général du port autonome d'Abidjan et l'autorité spirituelle de Cheikh Aïma Bouakary Fofana, président du COSIM, cette cérémonie a enregistré la présence de plusieurs imams et autorités musulmanes des différentes communes du district d'Abidjan. Les Égyptiens sont appelés à voter aujourd'hui lundi et demain mardi pour les élections présidentielles. L'ancien chef de l'armée Abdel Fattah al-Sissi est presque assuré de remporter ces élections dans un pays qui réclame avant tout un retour au calme. Terminons par un tour du monde en bref et en images, mais tout d'abord les élections parlementaires européennes. La Belgique en deuil après un attentat contre le musée juif samedi dans le centre-ville de Bruxelles. Un couple de touristes israéliens a été tué ainsi qu'une Française. Un Belge se trouve dans un état critique. L'attaque a été menée par un homme seul qui est entré dans le musée et a ouvert le feu. La police le recherche activement. Trois personnes poignardées à mort, trois autres abattues et 13 blessés par balles. C'est le bilan de la soirée de Elliot Rodger. Ce jeune Américain est mort lui aussi à l'issue d'une course-poursuite avec la police près de Santa Barbara en Californie. Il avait décrit dans une vidéo sur Internet sa solitude et sa haine des femmes. Elliot Rodger souffrait de troubles mentaux. Il était le fils d'un des réalisateurs du célèbre film Hunger Games. Dernière ligne droite pour les élections européennes. Dimanche est le quatrième jour de ce scrutin qui concerne 500 millions d'électeurs dans 28 pays. Les premiers résultats ne seront donnés qu'après 23 heures à la fermeture des derniers bureaux de vote en Italie. Ces élections seront sans doute marquées par la montée des eurosceptiques après des années de crise sur le continent. Il a voulu voter, mais il a trouvé porte close. Dans les régions séparatistes ukrainiennes, les bureaux restent inaccessibles pour l'élection présidentielle. Les insurgés pro-russes en bloquent les accès et se disent non concernés par ce scrutin. À l'ouest du pays, en revanche, les files d'attente sont longues. Le milliardaire pro-occidental Petro Porochenko est donné favori devant l'ancienne égérie de la Révolution orange, Yulia Tymoshenko. La Palme d'Or pour Wintersleep, un huis clos psychologique dans un village d'Anatolie. Le festival de Cannes s'est refermé samedi sur les paroles du réalisateur turc Nuri Bilge Ceylan, qui a dédié son prix à la jeunesse de son pays et à tous ceux qui ont perdu la vie au cours des derniers mois, marqués par une grave crise politique en Turquie. Les prix d'interprétation vont à l'américaine Julianne Moore pour son rôle d'actrice hystérique dans Maps to the Stars, et au Britannique Timothy Spall pour son interprétation dans Mr. Turner, où il incarne le célèbre peintre dévoré par son art. Et voilà, ces images du Festival de Cannes mettent fin à ce 13h. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez Ali Dirasouba à 18h et à 20h pour d'autres informations sur RTI1.